nom Pape Djibiba, artiste sénégalais. Voilà, je suis auteur-compositeur, en même temps leader de l'orchestre Swiss African Orchestra, en même temps le président de la Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora. Donc voilà, et j'ai été côtoyé par un de mes doyens qui s'appelait Abdoulaye Bou, qui m'a beaucoup formé dans la musique. D'ailleurs, qui m'a beaucoup soutenu dans mes premières créations, l'Orchestre national du Sénégal. Je suis membre Sénégal. Et ensuite, j'ai fait pas mal avec les grands chefs de Diantal, Idriss Diop. Donc voilà, on a fait le number one aussi. Donc, l'un d'un orchestre phare du Sénégal, le number one. Avec le feu Pape Seck, chef d'orchestre, qui avait créé le fameux orchestre Africando. L'union dans le travail, c'est formidable pour un avenir mutuellement. Et moi j'ai démarré à 14 ans, j'ai sorti mon premier album qui a fait un carton au Sénégal, le Chéri Coco, et qui m'a propulsé sur le plan national, qui m'a donné cette renom. Donc sur le plan national et sur le plan international. Le projet culturel que nous avons tissé avec le groupe Afro-Suisse, avec des talents, des grands musiciens de Suisse qui sont sortis d'une grande école de jazz ici à Berne. Donc voilà, mais l'idée de ce projet, c'est le métissage culturel. En tant qu'ambassadeur culturel, donc voilà, l'idée, c'est le métissage culturel sur le plan international. Parce que le monde, vous savez que le monde, on est dans un monde du donner et du recevoir. Comme disait notre cher président, Abdoulaye Senghor, qui disait le brassage culturel. Donc nous sommes dans un donner et du recevoir. Le monde, c'est la connexion, le monde, c'est le dialogue des cultures. Donc voilà, c'est ça l'idée de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Je tiens à remercier mon épouse, François Shakira, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Il m'a toujours soutenu, mon épouse. Ah ouais, donc magnifique. Voilà, vraiment, ouais. Je la remercie infiniment. Je remercie aussi mes musiciens Afro-Suisse Orchestra. Je les remercie. Et je tiens aussi à remercier les institutions suisses qui m'ont soutenu sur ce projet, telles que la ville de Berne, le canton de Berne et Arlink aussi. Donc, ils m'ont soutenu sur ce gros projet. Donc, Afro-Suisse Orchestra. Si vous voulez écouter de la bonne musique traditionnelle avec des vrais musiciens, un grand chanteur à vraiment à voix de renom, c'est ici avec l'album Jogo. Jogo, on est ensemble, on est connectés, on est en chanté. On sera en concert le 17 mai prochain à 20h. C'est ça. À Müller und Dicken à Rübigen, c'est dans le canton de Berne. Donc vous êtes cordialement invités à venir écouter cette formation originale. Donc des billets sont disponibles sur le site Star Ticket. Donc vous pouvez aller sans autre là-bas. Donc déjà réserver en prélocation les tickets pour l'entrée, ça coûte 35 francs. Mm-hmm.